Te ramase sa pou nou. Se fedner Basile Chouman e pi nan live la, genyen, jwojwe Jacqueline avek tou e ou di Mijuel, ti mwote jafet. Se tout ekip lak mobilize e nou salu yo Lourenski Kotoryea, nou salu e tout lot. Zami, sa ki an provins, sa knan jaden, e kap goumen pou yo jwen la vi. E, mersi sa kan bon nan long fil, jouswe, an long fil, an bon pomp mwen wè sa nan 40 bea, gran matin, vase kon elèman vin fè ramaste, son bagay kite la kare mwen, se 5 rèdmi, e ben, lèmri ven nan 40 bea, gon fil, ki al nan premier pomp ko pran an montan rèdèlman, e ben, gon long fil, ki fè tout 40 bea net, Donc, c'est pour montrer que malgré c'est des de centaines de milliers de gallons de gasoline et qu'il y a pas une station essentielle chaque jour, mais malgré tout, l'ignole très très longue et, et ça a pitié à Josué, c'est l'enfin fond journée dans l'ignole, puis les amis, ça arrive, bon, ça arrive même mon lakaïme, ça arrive mon lakaïme, yo non l'ignole, yo fait toute journée, hein, epi 4 ou 5 e di matan, yo fe tout jounen an chouman, epi le ourive an ba pon plan, yo fe men. Yo fe men, nou baka reproche moun yo, paske kanmen se yu men ouye, si yo la debi matan apsevi tou, fwe pou mbrek, fwe pou kampe, kampe, pou yu rekomansi. Alors, bon, gen, on, 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 on employe la kape, la kape explikem, ke li vive sa, on tiye si, 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 lema, ki pase mi, tse, mem supervize, pon plan, di, me zami, wè si a balon ti gaz, paske depil, depil bonel, wèl la, epil wèl, la pral fèmè pou plas, sete, lè wè si pral met, e ba, e la nan, 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 e pi, mbak wè wè te getan met mem 25 gout gaz, gaz eten, soli, Et, et puis, le superviseur a dit c'est la première fois dans la vie, il sentit que le mode de conscience pour le ça, après, il ça Alors, c'est le lot de chagrin haïtien. C'est ça qu'on a chaque jour. On dirait, c'est vrai, Josué, moi, moi en vedette là, sur le live là. Et ça, c'est Timothée qui a fait Oui, alors, c'est vrai que dit la vie, humaine c'est une lutte périlleuse, mais les hommes ne sont pas nés pour des paradis tranquilles, nous d'accord. Mais ce n'est pas Jean de fait ça, ici, à vivre sous terre, ils ont te été condamnés pour nous vivre. En tout cas, c'est comme ça, réalité, Aïe C'est comme ça, la vie peut être ici. Là, nous toujours fait le n'a commencé avec le taux du jour de la BRH, sous près, taux du jour de la BRH référence BRH pour samedi 20 novembre 2021, c'est 98 gouttes, 95 pour yon dollars américain. N'a rappelé tout le monde, ton référence BRH calculée et puis publiée pour journée ces c'est résultat de transactions achetées dollars qui fait dans la veille sous marché là. Pablier. Ton référence est disponible tout le temps sur le site BRH la www.brh.ht, sur le compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit, au carré centre contact BRH La gratis, dans 92 74. 98 gouttes, 95 pour Yondola, américain. Merci, merci, Schumann, merci. Alors nous saluons toute équipe là qui est en avec nous saluer l'Askaoba Street Saint-Fleur, nous saluons tout le coin Haïti parce que nous avons qu l'émission ça, c'est la messe du samedi c'est émission et, et, et oui comment on je on plaisir c'est ça oui Ou qu'on a l'expression qui dit il faut de tout pour faire un monde il faut gagner en de monnaie faut gagner avec commentaire tête en balio mais il faut gagner tout l'autre monde tout c'est comme ça la vie aille. et moi-même ça pas déranger mes amis et Gombaga qui c'est toujours en, en paix avec conscience ou... C'est ça, c'est l'opère à conscience ou, c'est bataille conscience-là. C'est lui qui est li, ki, pi Bon, et Radio Télétrans Antibonite, nous connaissons, brancher Red Red, même ja avec Radio Transparence, qui n'a sodo Radio euh, Télévision à Cajou, Nalaska et nous saluons Radio Liberté, dans l'imbé Johnson François, Radio Maximum. Boston Radio Concorde, dans Boston Radio Communauté La Chapelloise, La Chapelle Radio La Voix du Seigneur, Jérémy Radio Kina Akin, Radio Tête Ensemble Fort Mares, Radio Voix Mercier Hippolyte, dans Florida, Radio Symbole 99.1, dans Cavaillon, Radio Télé-Rossignol 88.7, dans Cerca-Cavaillal, avec député a ah, Rodon Bien-Aimé, Radio Télé Aurore, Petite Rivière de l'Antibonite, Radio L'Union saint Radio Miroir Inter, Boucan Carré, Radio Repos Boucan Carré, Radio Tweet FM, Jacques Mel, Jacques Jérôme, Radio Maguana 102.9 Nord-Est, Sénateur Ronald Larèche, Radio Classe FM, Bogton, Massachusetts, Radio Télé Nativité, Mon ben Crochu, Radio et Radio Métro, Saint-Michel de la Talaille, Radio Peredo Inter, Peredo Joams et l'Ascaobas Radio Rêve 2000, Bassin Bleu, 99.7, Radio Télégamax Live, dans Montréal, Radio Constellation. Bélader, 99.5, Radio Marmelade Inter, 91.9, Radio Villa de Castor, 89.1, Jean-Dodin Akin, Radio Bruno, 88.3, Bélance, Radio Bonzinzen, notre North Miami Beach, Radio Fraternité, 98.5, Port Salut, Radio Génération 80, 88.9, Port de Paix, Radio Haiti News, New York, Marmelade, Radio Victoire 101.3. Troisième section commune section Macari commune Marigo. Radio Compact FM 101.1 en sa Pitre, radio CND 103.5. Jérémy radio Meli 101.1. Jérémy radio Terra FM. Jérémy Radio La Prophétie Namboumon, Radio Graffa. Nada Marie. Radio Perfection FM, Port-de-Paix. Radio modèle dans esprit Valley. Nous saluons radio, avec Edzer Toussaint. Nous saluer, radio, Dame-Marie, Dame-Marie. Radio Télé, 1804, Haïti.com. New York City, Don Rocher. Radio, la Thibonite 103.3, saint mar Radio Dani FM, 100... Sans... 89.3 Gaumon, Radio Rayon 98.3 Marchand des Salines Radio Feeling 91.5 Limbé Radio Ozone 2107.9 et Verret Radio Antibonite International New Jersey Radio Tropical Inter 95.9 Cap-Haïtien... Radio Fantastique et... Port Mango 95.7 et... Radio Famille Inter, 95.9, Petite Rivière de l'Artibonite. Radio Télé Campèche, 95.5, Lascaobas. Radio WanaVision, 88.9, et sénateur Jean-Baptiste bien Radio Mosaïque FM, Guyane Française, 88.1. Radio Préférence, 107.5, 107 Petit Goave Radio Voix, Communauté Haïtienne, euh, Bradenton, Florida. 1490 AM, radio Levé-Campé 88.1, Inch New Jersey, radio Fraternité 93.5, pour Salut, radio Planète 99.9, cap radio Francique FM 109.5, Vineland, New Jersey, radio Royal for Liberté 105.3, radio Pyramide Inter 91.7, in Long Island, New York, radio nous saluer radio avancement fm dans saint raphaël et 97.9 et nous saluer oui nous saluer radio family mix family 104.7 quatre point radio Flambeau inter 104.1 quatre point quatrième section savana roche petite rivière de la Tribonite nous saluer tous radio passion fm 98.5 vingt en ballet. Radio Vesta 99.7 et Bombardopolis, Police, Radio Fantastique 95.7 pour Margot, Radio Tropical Inter 95.9 Cap Radio Télévision RCH 23 et Miami Radio Delta Télé Delta 105.7 saint mar Fantastique pour ou Rock FM 105.5. Port de Paix, Radio Fidélité 99.1 en Deno Radio Révolution 92.3. Et Pasteur Vénal Léger. Radio Transformation 102.7, Pasteur Exalus euh, nous saluons Et nous saluons Radio Préférence Nantiguav aussi. Et toute l'autre que nous pas intensité certainement qui branchait émission ramassée matin. Alors, décor bien branché et oui, merci, merci. Jonita, merci pour commentaire. Oui, radio fidélité 99.1 et Hans Denot, merci et Fritz, merci bon bagaille. Et puis et alors, avant de commencer et mis en contexte là, on nous salue puisque semaine ça, a, après le marqué anniversaire, un gros citoyen que nous connaissons l'amour, qui a été protégé pour nous, qui quitte nous malheureusement, docteur Thionnep Delpe, qui nous carré le père de la conférence haïtienne, chante conférence haïtienne. C'est lui-même qui est toujours mobilisé sur question ça. Il n'a pas jamais intervenu. anjou nan radyo pou l pa toujou ap proune li de sa kap fèche men, pisk an pil moun vin dako avel e yo deside pou yo mache nan logik la. Alors, genyen e frèli, jen frè, Tionep Delpe, nap pale de Karel Delpe, ki asosye l avèk euh, PNDPH, parti Kèr Tionep Delpe, e non sèlman pour qui enbe vivant et non ça Thionnep Delpe mais tout à travers Eveli Fondation et surtout partie sa mais terrain met en pile et au voulu parti à mourir et c'est pour ça qu'il y a pas organisé activité pour célébrer la vie de docteur Thionnep Delpe Compliment Karel Delpe pour grande initiative ici si là ben Son trè 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 bon bagay, trè bon bagay, e ke moun yo se pale yo vivan pou yo sanje yo te existe, se men apre yo finalè pou nou toujou montre qu'il était important y important pour nous et puis surtout si il fait qui vaille et que mon a allé pas gagner que fait après elle c'est comme s'il tout mourit avec toute réalisation toute rêve, toute projet et ben c'est comme s'il était travaillé en vain alors c'est pour ça qui fait que monsieur a besoin que ça t'es vivant et, et pour activité et si là pas qu'on soit prêt Voilà, voilà. Et je so m'en beaucoup près, mais nous avons fort tende, et activité qui prévoit la cadre et célébration, ça. Mais nous avons fait après, sans problème, sans problème, nous avons tourné sous le docteur Delpe qui, j'en dis là, m'a ke, tani, définitivement. Alors, en attendant, on nous dit que et hier, nous t'entendel le sénateur Patrice Dumont qui lançait un cri du cœur pour Fréli qui est en prison, nous connaît, et Anthony Dumont qui c'est un ancien député Léoogan notaire de la ville très connu personnalité et, 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 et brillant que alors je me vous avant de rentrer dans dans écrit du cœur sénateur Patrice Dumont n'a pas fait attendre qui ça qui prévoit dans cadre Activité ça, que frère Thionep Delpe, Karel Delpe, avec toute partie PNDPH-là, prévoit organiser pour célébrer la vie chumane de docteur Thionep Delpe. À l'occasion de l'anniversaire de naissance ce 24 novembre, du feu, docteur Tioneb Delpe, le père de la Conférence nationale haïtienne, souveraine CNHS. Souman, Fedner Basile, notre maître nom de dis, hein, à l'homme dit que Patrice Dumont, sénateur de son État, qui lançait avec nous hier, ont cri du cœur ou Frêle qui na prison, n'a parlé de Anthony Dumont. Alors nous voulons commencer avec un message ça note pour la presse. Citoyen Patrice Dumont, vous voulait touiller Anthony Dumont depuis plus que une semaine. La presse en général, a une nouvelle mauvais traitement pénitentiaire national imposé prisonnier. Ça qui la cause un pile prisonnier malade grave. En plus de cas, policier Gilbert Dragon, public la connaît, c'est chaque jour, selon l'information, il y a deux ou trois prisonniers qui mourent parce qu'ils n'ont pas joué de soins. On agent de change, Ukoa Baudelaire-Jacques, mourut dans la prison pénitentiaire en mai 2020 à cause de la qui n'a pas gagné. Pa mi prizonye, ya ple de di ki malat grav, san le moun riyo genyen Anthony Dumont. Li malat vre. Li te pa mi prizonye, li te perdi poa an pil. Men, piti piti la, e, li, piti piti la pou remonte. Nan mouman yo koman se ya ple de di li bien malat, jiska swari 17 novem nan, Anthony Dumont pa de jam kouche, La popote, ni les pas de jambes me prennent bien mal. Il manquait 4 livres pour le rejoindre pour normal. Mais ni Anthony Dumont, ni famille pas égaré. Peut-être que les gens qui ont couru le sous nos lieux, sont C'est C'est y a. tout. Si pas ...organizasyon mafya politik volete... ...kap pe sonen chalbari ala li nan tèt Antoni... ...nan tèt famil, nan tèt opinyon publik la... ...pou fel konen li san le mouri... ...de fason le yo touye la pou yo di se maladi ki pote la li. Non, non, non. Antoni konen soli nan me la jistis... Soufrans moral, menas ak presyon yon group polisye nan prizon ap fè sou li toutan ni manev nan bureau ansyen polisye, ansyen chef, toujou chef, pa ka fèl, bè se jè, bè BC se tèt li. Li ka pè, men li pap fè lâch. Li konè tou, pa mi fè ak sè li yo, fwa ye pal... kouzen, bon zami, e mwen menm ki kodone avek avokal e administrasyon prizon an, son bel bagay, son sel bagay, mwen mande tout moun fè travay yo selon la loa. Nou di yo mèsi sütou mèt loran, depi plus ke kater an sa yo, mwen wè abyo fè an toni du moun. Mwen wè kondisyon enfra yu men prizonye nan penitansye nasyonal. Le kom senate m ap denanse violasyon, dezonoran la polis ap fe sou moun yo arete, mwen pa jam pale depi nan penitansye nasyonal an partikulye. Se paske mwen pa gen doa melange problem personel avek zafel etat. Men jodi ya, m ap di selman son ijans pou yo mette justis an da prizon. Mwen toujou kap ap di, le ou moun mandim ki le m ap lage toni, mwen estomake, pou mta fel malonet, paske mwen pa juj, e menm si mte juj, toni kon sa, desizyon mwen tap pran pou frem, ou bien, pi bon zanmim, se li mwen tap pran pou, a, e nepot ki moun, aji mal, ou bien, kwayan se, me zanmi, padan plus ke katren prizon sa, a, se juj yo, avoka Anthony Dumont, a Anthony li menm ki konen dosye a, mwen menm, Nan 21, 21 vizit mwen Anthony, pou antoni, mwen konen au mwen 6 fwa li te bezwen tretman l'opital. Den sel fwa mwen te ka temoye l nan yon klinik, mwen te ka akompanye l nan yon klinik privé. Prison pa douz e prison pa douz. Men sa pa vle di, pandan pa gen kondanasyon, a mo nan, nan konstitisyon an, pour y a tout monde en prison sous forme déguisée. La mort préparée pour Anthony du mois, n'a la bien mal, pour y a tout bon. monde, nous prenons li Nous faisons tout le monde comme ça. Je remercie tout de si suite, en pile d'amis, Yogan, gan qui par jamais suspend supporté Anthony. Il a besoin de tout condition prison, c'est l'enfer, mais bien bien bout. Patrice Dumont, frè Antonie Dumont, alo an kler sa Patrice Di. Patrice Di, gan pil informasyon ke medya bay chouman, kap di gen prizonièk byen mal e yo toujwa pmet Antonie la dan yo. Patrice Di, se vre ke l pak a di sante Antonie ou obuste, daer li perdi ti poa, etc., e pandan tout vizit li fè nan penitansye nasyonal pou la loe frel, li gen au mwen 6 fwa ke l to oblige a akompanyel nan klinik, sa vle di, li pakadil goun sante ou obust. Gan pil moun kapdil nan la pres la, se de goun fwa, se paske ou vle we, byen pou li apatire atansyon moun sou sa. Men gen yentou, yo kouri bouyan, se pou le yo mete proje yo a ekzekisyon, sa vle di, le yo touye l pou tout bon, pou yo di, a ah, nou gen lontan nou tapdil malad, se kom si a prepari l opinyon publik, pour causer. Alors Patrice dit, toute famille y comprendre, dit, je vais être macabre, je pas prendre la donne. Alors c'est ça surtout que Pépé voulait faire passer dans le message. A, et puis, l'autre point d'actualité, nous t'avons parlé de gaz-là, toujours, en véritable casse-tête chinoise, chou E eh bè, genyen, tout nan, nan, nan politik la, Patrice, tu monsot pale de sa la, e a fè l'ambo ansyen ou ansyen komisèr polis Gilbert Dragon, e bagay sa ontijan estomak e moun, bagay zan Pierre Espérance, ke msè... Et ce traitement, bon traitement, c'est vrai qu'elle était attrapée COVID, mais c'est bon traitement n'est qui la cause que, que le Gilbert Dragon est l'un des suspects clés dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Peu de temps après son décès, mercredi 17 novembre 2021, Pierre Espérance, directeur exécutif Réseau national de défense des droits humains, a commenté l'événement. Li fè konè ke vitim nan e patap ka souviv du fèt ke les agent de la direksyon penitensiyè yo kite l koupi nan selul li. Le nivou dex d'oksijèn de Gilbert Dragon avè konsiderableman diminué kan les agent de la DAP on deside de l amene a l opital. Yo fè sa tro ta. a fait savoir M. Espérance. Il poursuit pour dire que la victime a été hospitalisée pour la forme, mais ne pouvait pas survivre, tout en qualifiant le fait de coup dur pour l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, si enquête il y en a. Le coordonnateur médical de la prison civile de Port-au-Prince, Dr. Fleubert Brutus, a présenté un bilan de l'état de santé du détenu depuis le 12 novembre. Les responsables ont entamé tardivement les démarches pour soigner Gilbert Dragon, dénonce Père Espérance. Plus loin, il a rappelé l'importance de M. Dragon dans cette affaire. Selon ses dires, un policier à l'intérieur du domicile du 58e chef d'État était en contact direct avec Gilbert Dragon, lui annonçant les moindres gestes et déplacements de l'ancien. Président. Monsieur Dragon, quant à lui, devait donner les rapports à Joseph Félix Badgio, considéré comme le suspect numéro un dans ce crime. A noter que Gilbert Dragon est décédé à l'hôpital Bernard-Meuse mercredi dernier, 17 novembre, après avoir contracté la COVID au pénitencier national où il était incarcéré moins d'un mois après. L'assassinat de Jovenel Moïse et même Pierre-Espérance poursuivent. le pour dit que enquête sous-assassinat Jovenel Moïse, la son vaste tromperie, son vaste, vaste plaisanterie, où se conjuguent combines et arrangements sordides, selon Pierre-Espérance. Pierre-Espérance, directeur exécutif RNDDH, exprimait de sérieux doutes quant à la possibilité que l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse aboutisse. Selon M. Espérance, l'enquête est minée partout de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ce sont les barons du PHTK, dont certains avaient la confiance de Jovenel Moïse, qui seraient à la manœuvre pour faire bousiller cette investigation poursuivie. Pierre Espérance, dont les propos sont rapportés par Renews. Déjà, précise le militant des droits humains, le choix du juge-instructeur a été influencé par ceux qui ne voudraient pas que l'enquête aille jusqu'au bout afin d'empêcher qu'elle ne remonte à certaines personnalités qui étaient dans l'entourage immédiat de la victime. À titre d'exemple, il cite le cas du Premier ministre de fait, Ariel Henry, suspecté d'implication présumée dans le meurtre de Jovenel Moïse, et de l'ex-directeur général intérimaire de la Police nationale, Léon Charles, qui n'ont toujours pas été auditionnés dans le cadre de cette enquête. Cependant, il était prévu que ces deux hommes seraient auditionnés par le magistrat-instructeur Gary Aurélien. Au cours de la semaine du 3 au 10 novembre dernier, souligne Pierre Espérance. Il affirme qu'en marge d'une rencontre en Ariel Henry et le juge, l'instruction en charge de l'instruction du dossier, il y a eu un arrangement entre les deux hommes pour que l'audition n'ait pas lieu. De même, rappelle-t-il, Martine Moïse, épouse du défunt a déposé une plainte contre M. Henry pour son rôle présumé dans le meurtre de l'ancien président, mais ils, ne, ils se sont rencontrés quelques temps après pour discuter pendant plus de trois heures d'horloge. Ça voulait dire Martine avec Ariel qui en discute ensemble. Le défenseur des droits de l'homme déduit qu'il y a un complot au plus haut niveau de l'État et au sein même de la famille présidentielle pour que l'affaire Jovenel Moïse n'aboutisse pas à un procès. Et Jean-Pierre Paléa, espérant, c'est un coup, et Martine Moïse est au cœur de ce complot. Il souligne le fait que l'ex-première dame se sert du cadavre de son mari pour se laisser manipuler par ceux-là même qui auraient livré Moïse afin de construire sa candidature à des élections incertaines. Cariel Henry ne peut lui garantir. Selon Pierre Espérance, l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse ne progresse pas. En dépit des arrestations qui ont été effectuées dans le cadre de cette affaire, nous sommes en face d'une véritable tromperie au lieu d'une enquête. Donc, je pensez que Pierre dit tout le les là, il n'y a pas question qu'à parler comme quoi tu as enquête qui en cours est sous question et c'est là. Et puis, l'autre point d'actualité, on dirait que SDP, secteur démocratique et populaire, qui se a un gros soutien, Ariel Henry, anti-Jean, commence à désenchanter, en tout cas. C'est ça, Gazette Haïti rapporté selon conférences que, que es à Bay, que nous avons gardé tout à l'heure, Schumann, et le SDP menace de se retirer de l'accord du 11 septembre si le gouvernement Gestation est dominé par le PHTK et les Jovenelistes. On dirait que Maître André Michel et tout l'autre prennent en sente. Est-ce que vous sentez que la guerre n'a -pa pas passé dans ce sens-là et, et puis, en tout cas, SDP menacé hier vendredi hein, pour le retirer de l'accord du 11 septembre si le gouvernement en gestation est dominé par le PHTK et les jovenelistes. Intervenant sur les ondes d'une station de radio de la capitale, le porte-parole du secteur démocratique et populaire, a été clair dans ses propos. Pas question qu'il vienne bloquer le procès pétrocaribé, celui des massacres perpétrés dans les quartiers pauvres sous le de Jovenel Moïse. Mais André Michel qui affirme étant pour parler avec le Premier ministre Ariel Henry sur le profil du nouveau gouvernement critique le retard mis pour sa mise en place contrairement à ce qui est prévu dans l'accord. Selon le SDP, Remettre la justice au PHTK et au Jovenelis est impensable. Le SDP qui a organisé hier une journée de réflexion stratégique à Iguana Hotel, met la pression sur Ariel Henry pour applique l'accord du 11 septembre en formant le gouvernement. Moi, te dit, moi conseillé Ariel Henry, journée jeudi en là. Si la lantre tete bese, alor, wè, ouais, on dezapouve André SDP, si la lantre tete bese nan fon gouvernement kouniè a, pandan ke gen de force importante nan sosyete a, par exemple, akor, mon, pa nan gen lòd toujou l'universite univers, yo, ki yo men nan de refleksyon profonde pou yo ta transforme e transisyon an an vreman an peryode refondatris de l'Etat avan al entre nan eleksyon nepot ki jan, menm fom de eleksyon nou te gen tan koman sa pfe ou, nou te touj wap pfe ou, e ben se ap fè sou klou, se kriz sou kriz. Mwen menm kontrèrman a SDP, mpa ankoraje Ariel du tout, du tout, al entre nan formé gouvernement joudiyan, san li patajwen nyon akor, lageman lage, e pi daè mwenm toujou kwen, que le gouvernement, que le pouvoir, l'idoué a des têtes. Voilà. Et puis, pas oublier, c'était et, et dernièrement, et 18 novembre, et commémoration de la bata bataille de Vertières, en pile, intervention faite. et il qui particulièrement retenait attention, puisque Noël a fait gros boss sur les réseaux sociaux. Se intervansyon major de foz arme d'Haïti, Edi Marcelin, ke nou te largeman komante iyer nan emisyon Interseksyon. Alors, sou vle yon ekstren nan intervansyon sa, ke moun yo te suivant pil, msye di, nou avon antandu le diskou de son ekselans, le premier ministre, maloureusement, « Après la bravoure de nos dévanciers, nous ne pouvons plus crier « Grenadiers à l'assaut !»» Saki à rétorque le major des Forces armées d'Haïti et dit Marcelin après le discours du premier ministre Ariel Henry qui demandait à la population de crier « Grenadiers à l'assaut !»« Nous sommes entourés de groupes armés. Nous sommes tous prisonniers, monsieur le premier ministre. » Tout le monde souffre et c si les groupes armés n'ont pas encore effectué un génocide, c'est parce qu'ils sont encore humains. La menace plane sur nous tous, explique M. Marcelin, qui demande au moins un char d'assaut, deux véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat pour en finir avec le phénomène. Dans deux semaines, nous allons mettre fin au désordre assure le membre des forces armées d'Haïti, la honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées et nous capables dit de manière systématique partout où elles sont passées et nous attendons de mettre fin au désordre, conclut le major Eddie Marcelin avant... D'inviter le premier ministre Ariel Henry à signer le traditionnel livre d'or. En pile, on comprend que son vibrante déclaration, larmes aux yeux du major Eddie Marcelin, qui a été suivi de chauds applaudissements, jour 18 novembre. Il y a un fait en pile commentaire sur so, livre pour nous dire normalement, il ont a officier des forces armées. pa ta suppose goun diskou kon sa, men an menm tan ton nou komprene, alol pa ta suppose gen, paske l'arme se l'efet surprize, ave di yo pakadwa vana l'enmi, l'enmi anjeble bandi, tout feblesse strukturel, feblesse materiel, etc. Men, konteks nap vivjou nan jodi an, pa gen sukren nan kesyon an, tout moun toujou tande, mwen mwen map dison la me do piret nou gen, gen moun ki disen la me pou banan, mwen pa vleri le yo konsa anko, pou mwen pa, pou mwen pa chokye yo, paske yo gen volonte, san pil jen, gason, ki la dan avèk den ofisye superyèr, ki te nan ansyen arme a, ki kon sa sa vle di arme, Et par exemple, Major ça qui était dans les militaires qui apprennent le métier des armes, l'icône bagaille très, 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 très bien. Alors si Journe Jodia le parlait, son cri du cœur, l'icône, ça l'armée était café, c'est vrai, l'armée était habituée. Et puis Journe Jodia, les mêmes même gens avec tout le monde, ils sont en cible potentielle pour les bandits. Sa chokel paske li wese de gren moun akvek de, men, de bra balan apande la p gade populasyon an an zye ou pa ka fe an en pou yo, nou kompren realite ya. Men, problem nan pa pral rezout jan majora diyan, tou pou yo achete ton ba, achete chache, achete se si, ba e l'arme, ki l'arme, pou mwen m'pase, il fo ki ye an konsensus otou de la kesyon, epi pou si l'arme ap tonel tonel pou tout bon, se pa euh, la me anjouè, di ouvenel, euh, ki bezwen te gon promes, li te fè, e pi l pren 2-3 gren neg, y abiyè yon, meton yon ta majò, ba y la pa euh, rempli ken nom, ken kondisyon, etc., l pa menm vreman gon budget, tout sa yo se de bagay, et... ki pa ka regle a la va vit, jan majò a souwete la, malouzman se vre ke problem, yo presan, yo la, fote gen solusyon, men, Mpa kwe se nan kouri... Ache te de toa materyel... Bae de gren militek gen la... Nou pral rezout problem... Ke nou gen jounen jodi ya... Alors, justeman... Sou kesyon sekurite ya... Apil sitwayen... Ap sou ke koyo... Paske yo di yo pa karet kon sa... Sosyete sivil la... Kreye yon goup de travay... Sur la sekurite... Le goup de travay sur la sekurite... Se le nan dun nouvel struktur... créé par des personnalités de la société civile, dont des experts en sécurité, en droits humains et des membres des secteurs privés, syndical, religieux, et universitaires et de la diaspora. Il se donne pour mission, entre autres, de proposer des pistes de solutions pouvant aider à aborder dans tous ces aspects la problématique de l'insécurité. Le GTS est constitué d'une vingtaine d'entités d'entités de la société civile, encourager la collaboration entre le citoyen et l'appareil sécuritaire d'Haïti en vue de résoudre le problème de l'insécurité dans le pays à court et moyen et à long terme. Telle est la principale mission du GTS. Après avoir constaté la détérioration du climat sécuritaire du pays, ce groupe de la société civile dit noter que l'État haïtien n'a jamais pu mettre en œuvre de véritables politiques publiques de sécurité visant à assurer la protection des vies et des biens des citoyens. Il est donc impératif pour les citoyens de s'organiser pour inciter l'État à prendre ses responsabilités en matière de sécurité vis-à-vis -vis de la société. C'est ce qui a donc motivé ses membres des secteurs privés, syndical religieux, académiques et de la diaspora, ainsi que des experts en sécurité, en droits humains, à se réunir au sein du GTS, le groupe de travail sur la sécurité. Le groupe de travail sur la sécurité est composé de personnalités qui s'engagent à titre personnel ou comme porte-parole d'institution. Il s'agit donc de... Un, Mario Andresol, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Dr. Joël Augustin, président du Front uni de la diaspora haïtienne, James Boyard, professeur à l'Université d'État d'Haïti, Ashley Larac, ancien léopard des Forces Armées d'Haïti, Pasteur Saint-Pierre Saint destiné, coordonnateur de la croisade des organisations haïtiennes contre le kidnapping et la violence des gangs. Professeur Mathias Lauréus, écrivain, enseignant, chercheur à l'Université Kiskea et à l'UEH. Madame Louise Carmel Bijoux, opératrice culturelle citoyenne engagée. Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH. Madame Arielle Dominique, spécialiste en stratégie d'engagement public. Emmanuel Adouillon, spécialiste en politique publique. Bernard Crane, homme d'affaires. Jean Bonal-Golenski-Fatal, avocat et syndicaliste, et Dr. Prosper Charles, directeur de 1850 Institut et professeur à l'université Kiske. Le groupe de travail sur la sécurité n'est pas une organisation politique et n'a aucune motivation ni ambition politique en tenue, a précisé les membres du GTS dans cette déclaration. Il se propose tout simplement de collaborer, avec tous les acteurs haïtiens pour améliorer la situation sécuritaire du pays. Le CTS concentra ses actions sur neuf points. 1. Représenter sur demande ou invitation à la société civile dans les réunions consacrées à la sécurité avec les responsables gouvernementaux et les partenaires internationaux. 2. Encourager. La PNH a mettre en place de nouvelles stratégies visant à neutraliser les structures criminelles et les gangs ayant un impact tangible et immédiat sur le phénomène de l'insécurité. Trois, mettre en place un système de veille sur la sécurité publique et faire des recommandations à la société civile, au gouvernement et à la PNH. Quatre, amener les autorités locales et nationales à prendre en considération. La sécurité des personnes et des biens. 5. Mener une campagne nationale d'éducation citoyenne pour un changement de comportement et promouvoir la coopération entre la police, les citoyens et les acteurs de la société civile. 6. Proposer une stratégie d'action pluridimensionnelle pour lutter contre l'insécurité, mais aussi améliorer les conditions de vie dans les zones dites de non-droit. De façon à promouvoir la culture de la paix et la sécurité durable en Haïti. 7. Mener une campagne d'éducation dans la diaspora et dans le but de mieux supporter les actions du groupe de sécurité au niveau international. 8. Coordonner ses efforts avec ceux des organisations de la diaspora en vue de renforcer sa capacité d'influence sur les politiques de la communauté internationale dans un sens favorable à l'amélioration de la sécurité en Haïti et élaborer un argumentaire contre le trafic d'armes dans le pays et faire des recommandations aux autorités nationales et aux partenaires internationaux afin d'indiquer ce fléau meurtrier. Non pas qu'après c'est et son bagage qui le poté fruit puisque Gampil est fort déjà et qui déjà qu'on a fait et que le résultat prend un petit temps. Mais l'essentiel, c'est que nous croyons que la société civile a secoué parce que la réalité hein. est là, pas de monde qui a continué à vivre avec. Donc, Haïti n'a pas qu'à vivre, j'en ai alors c'est ça qui fait nous encourager si là en espérant que l'autre approche sous réalité ça. Alors, Haïti en crise, tout le monde, nous avons un budget tête chargé. et n'a gardé des, des déclarations que Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation nationale, a fait connaître que Haïti transférait plus d'argent en République dominicaine pour l'éducation que budget ministère éducation nationale. C'est sur son compte Twitter que l'ancien ministre de l'éducation nationale, également président du comité des finances du partenariat mondial pour l'éducation, Nesmi Maniga, rappelle que les familles haïtiennes en Haïti et celles de la diaspora dépensent plus d'argent en République dominicaine en éducation, qui est le budget annuel du MENFP. C'est ça, Gino, 7 rapporté. Cette déclaration intervient dans un contexte où les autorités dominicaines avaient menacé cette semaine de suspendre l'octroi des visas étudiants aux Haïtiens avant de clarifier qu'il s'agit d'une mesure pour les nouveaux étudiants. Toujours est-il que les zones floues restent à être Élucidé dans cette affaire. Citant une enquête de l'Observatoire Binational sur la migration, l'éducation, l'environnement et le commerce datant de 2017, Nesmi Maniga souligne que plus de 220 millions de dollars américains sont dépensés de l'autre côté de la frontière pour la prise en charge et la scolarisation des Haïtiens en République dominicaine. Parallèlement, le budget 2020-2021 du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avoisine seulement 200 millions de dollars. Regrette l'ancien ministre qui continue de faire campagne pour faire doubler le budget du secteur public de l'éducation à travers le pacte pour l'éducation. Il croit qu'il faut également un pacte fiscal pour faire croître l'économie et garantir les recettes de l'État. La différence est encore plus saisissante quand le gouvernement haïtien dispose de moins de 100 dollars par tête pour scolariser ses 4 millions d'élèves, tandis que la République voisine dispose de 10 fois plus par élève, martèle-t-il. Interrogé sur l'afflux des étudiants haïtiens en République dominicaine, dont le chiffre dépassait les 55 000 en 2015, selon le journal dominicain Listin Diario, Nesmi Maniga rappelle que 2010 a marqué un tournant dans le départ des étudiants ici en terre voisine à cause principalement du tremblement de terre qui a réduit la capacité d'accueil et l'offre des institutions d'enseignement supérieures nationales grandement endommagées, voire détruites. L'ancien ministre fait remarquer que la République dominicaine doublait pendant cette même période. Ces dépenses publiques d'éducation résultent de la mise en œuvre de son pacto éducativo qui exige d'investir 2% au moins à 4% du PIB dans ce secteur. Pour rattraper ces retards en plus de nouveaux financements, l'ancien ministre recommande que la loi <coughs> Suzanne, sur la formation technique et professionnelle qu'il avait défendue au Parlement soit effectivement mis en œuvre et que d'autre part le projet de loi sur l'enseignement supérieur de 2014 soit discuté et voté par la prochaine législature. En plus de la sécurité, il est urgent de mieux financer et moderniser le secteur qui nécessite des réformes pour devenir plus attrayant aux yeux des parents et des étudiants qui ont besoin de plus de choix de carrière correspondant ou metye e opportunite du XXIe siyekle, konklu Nesmi Maniga. Bah, sa son skandal, nou toujou denonsele, le fet ke tout la ajan haisyen a pase e nan nanvouye nan Kob, Saint-Domingue, Schumann ou Republik Dominikène ki pa menm konsidere nou piske nou wey De tan zan tan, sa yo deside se mette, se e pran. <laughs> mersi, Preference FM nantigo av, nou salyo. Mersi, mersi, e Preference. Oui, alors, tout l'agent de passé n'a cause si la. Akaye nou pa bli yo tou. Akaye kap mobilize l, akaye eh, ki sot fe chita tende. Et oui, et, euh, oui, pour son forum citoyen, et que, yo y organisé là, euh, et nous avons une intervention, docteur en psychologie, Franz Cassius, et sous question si là, non, émission ramassée, et je dis à nous pas oublier, causer si là, et puis, et, Oui, et, ah, mes amis, nou pata kap a souliye sa, souman, jodia, maman kolonel Imler Rebu, Andrea Nelson Rebu, genyen 97 ans, et, oui, kolo, 97 ans, on bel age, maman on beni, et, li la toujou, se vre, lot jou mte wap fe dilijans, Pour courir soin l'hôpital, mais il a toujours ses sacs importants. Vraiment, nous souhaitons le vivre quelques belles années encore, Colo. ou mériter ça, l'ime, mériter ça tout. Bon bagage, bon travail. Et Colonel himler rebu, et puis nos pape cabliers tout. Docteur Josette Bijou, qui lui-même te dit de Timo Palto. tout. Sou situasyon kriz peyi a, li te fè proposisyon pandan semen nan, li te bay proposisyon pal, nou te li lan lon e an laj, menm se nou pat dako ak tout, men gen pil bagay ki trez enteresan, m panse ki ka servi an pil e nan e rechèj de solisyon ak situasyon e ken ap vive jounen jodi an. Et oui, nous avons mais à nous et cadre, nous eh, nou, féliciter CAD qui font des travail sur le développement kidnapping en Haïti et qui commençait à parler depuis 23 janvier 1973. Et c'est ça, CAD, et eh, développement kidnapping en Haïti. Comment commencer tout historiquement en travail et de cadres de GD11 euh, qui dit Haïti fait face à un niveau de kidnapping épouvantable, le classant pays ayant le taux par habitant le plus élevé. C'est Washington Post qui dit Haïti, c'est pays qui a un taux de kidnapping par habitant le plus élevé. Schumann. Ce rapport aborde la question dans ses multiples facettes pour une meilleure compréhension. Selon les Nations Unies, le kidnapping peut prendre plusieurs formes. Le droit haïtien définit un régime juridique et les sanctions allant de la réclusion, 30 à 50 ans d'emprisonnement, emprisonne, aux travaux forcés à perpétuité, loi du 22 août 2017. Sur le plan historique, le premier rap, Kidnapping spectaculaire serait l'enlèvement de l'ambassadeur et du consul américain, consul américain Clinton Knox et Ward Christensen. Ça a été passé et qui date, n'a pas cherché date là, le 23 janvier 1973. Cette pratique aurait existé durant le raid des Duvaliers. Au cours des années 1995-2000, le trafic de la drogue répandu en Haïti concourait à son développement. L'enlèvement de Boris Potensky, nous songez qu'à ça, le 28 mai, parmi d'autres mineurs a marqué les esprits. La chronologie des rapts, avec des analyses comparatives est faite de 2004 à 2021. De 2004 à 2006, le kidnapping suivi de violences a servi d'âmes politique rongeant les familles apparemment riches et des citoyens de la classe moyenne. A ajouté Ézémede Gédéon. Plus de 1000 ont été recensés en 2005. À partir de 2007, la tendance à la baisse a été observée. Les années 2020 et 2021 ont des points communs à celles de 2005 et 2006, mais se diffèrent. Largement. À partir des indicateurs, les secteurs publics, politiques et privés ont sciemment ou indirectement développé la criminalité dans le kidnapping en Haïti. Ayant été des exécutants, les gangs tendent aujourd'hui à avoir une certaine autonomie. Ils contrôlent en moyenne 60 du territoire, notamment des axes stratégiques pour la survie du pays dispose d'expertises et de moyens financiers et matériels énormes face à une police au rabais, un État en lambeaux et une société civile extrêmement faible. En 2019, l'opposition avait bloqué le pays, fameux mouvement pays Aujourd'hui, le G9 l'asphyxie en bloquant la distribution du pétrole, Occasionnant un dysfonctionnement social et en exigeant à tout prix le départ du premier ministre Ariel Henry, le mettant en déroute le 17 octobre au Pont Rouge. Si les différentes composantes de la société ne s'accordent pas pour bloquer l'extension des gangs et réguler le fonctionnement social, ces derniers décideront du prochain président d'Haïti et se transformeront en un proto Etat. Donc, c'est comme ça et document ça. Ouais, question a fait prolifération des gangs, développement, yo, historique question, kidnapping en Haïti, et travail de euh, Card et de GD11, mais entre très volumineux documents, nous présenter tout simplement. Ils ont euh, extrait. On, et on, tout petit extrait. Alors, oui. dans le document, docteur Josette Bijouin, hein, proposition qu'elle fait, il hein, parlait de, et par exemple, pour mettre en place CNTA, hein, qui c'est le Conseil national de transition, oui. avec des personnalités compétentes, indépendantes, connues pour leur intégrité et disposant d'une certaine expérience dans la gestion. Le CNT, une fois en place, se donne. Pour première action de rendre le Sénat fonctionnel, mettons des commandes, par l'élection de 20 sénateurs, nous l'avions dit en même occasion que des élections comme nous avons l'habitude de les organiser ne sont pas possibles dans ce climat de violence généralisée. Pour cela, nous proposons la stratégie suivante qui est simple, démocratique et par-dessus tout, peu coûteuse elle consiste en l'organisation au niveau de chaque commune d'une assemblée communale composée des notables, des membres de la société civile et des hommes politiques en vue de désigner une personnalité homme ou femme âgée d'au moins 30 ans compétente connue pour son honnêteté et son engagement dans le développement de sa commune, peu importe qu'il qu'elle soit membre ou pas d'un parti politique, les personnes désignées par les communes d'un même département se réuniront en assemblée départementale au siège du département pour choisir deux d'entre elles pour représenter le département au Sénat de la République. Par cette action, nous complétons notre, notre Sénat. Quand les sénateurs en fonction... Et, oui. Quand le mandat des 10 sénateurs en fonction prendra fin, il restera encore 20 sénateurs en fonction pour contrôler l'action du gouvernement, pour la conduire, pour la conduite des assemblées communales et départementales. Nous recommandons le, que le CNT utilise la collaboration de l'université. Donc, et puis les dix sénats, ça. Et en résumé, qui sera réuni. Pour faire font élection au second degré, pour mettre en président de la République, etc., que tu as installé le 7 février 2021. C'est un petit peu, et puis, Mme Bijou proposait une formule réduite de cabinet ministériel, et ça, je suis d'accord avec lui-même même si je ne suis pas d'accord avec l'élection de l'autre genre. Pour moi, c'est rentrer dans la transition ai là, sans parlement, et puis pour nous organiser le pays jusqu'à ce que nous fait élection pour le pour, pour, pour parlement, mais a fait, nous prenons sous prétexte notable nous avons choisi pour mettre comme sénateur, je pense, qui n'est pas trop, trop intéressant. Par exemple, pour former le ministérielle, dit, nous avons un ministère, planification, population. Collectivité territoriale et la coopération externe. Noté qu'à un ministère économie-finance auquel seront rattachés l'ONA et la CAS. Ministère intérieur et la défense du territoire. Ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, du travail. Le ministère des affaires étrangères. Des haïtiens vivants à l'étranger, du tourisme et des cultes. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse, du sport et de la culture le ministère de la Santé publique et de la protection sociale auquel seront rattachés l'OFATMA et l'Institut du Bien-être Social, le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, des Ressources naturelles et du Développement Rural, Schuman, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère des Travaux publics, Transports, Communications, Ressources, Minières et Énergie, enfin un secrétariat aux affaires politiques rattaché à la primature avec pour mission de gérer les différentes actions visant le renforcement des partis politiques. C'est comme ça, Madame Bijou, ouais. Question 1, pour ta diminuer les dépenses l'État. Et puis, mettez, kapdi, nous avons économie de rareté et de façon pour nous faire face à gros défis, captain pays. Donc, dit, en raison de la dimension de cette crise et l'impact désastreux qu'elle a sur le secteur économique et les secteurs sociaux, particulièrement l'éducation et la santé, ajouté à l'application de ces mesures prises à l'interne, nous lançons un appel aux Nations unies en faveur du peuple haïtien pour un appui humanitaire aux différents secteurs sociaux qui peut se faire à travers la Croix-Rouge haïtienne et les représentations des agences du système des Nations Unies en Haïti, tenu des FAO, OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, UNESCO, PAM, OIM, etc. Ainsi qu'un appui budgétaire au nouveau gouvernement haïtien pour lui permettre de réparer les dégâts et déficits causés par les temps de violence et la pandémie de COVID-19. Voilà. C'est en clair, proposition, docteur Joseph Bijoux médecin experte en santé publique, ex cadre de la fonction publique, ex consultante senior au système des Nations Unies, ex ministre de la santé publique, ex candidate à la présidence d'Haïti, citoyenne engagée, et chrétienne engagée. Voilà Chouman, nous croyons que c'est là Napp Merci pour fidélité à émission interception pas campé avec mise en contexte là émission ramassée, Schumann merci merci Schumann et heureusement côté là alors et napé, napé bon et patrice et patrice Dumont sénateur et oui, me songe cas ça Patrice. Patrice Dumont qui dit pour les premiers cas de kidnapping dans c'est 1971. Me songe ça Alain Jean-Pierre. Petite l'Eber Jean-Pierre ancien secrétaire général COH frère de Yannick Lahens. Me songe cas ça pépé, PP où y tout à fait raison et premier cas Pata 73, treize d'un coup, jean Miandil et et jean Mian Miandil et il passa. ça. Mais le, et, alors j'ai Jean te dit au conditionnel qu'elle te mettait le tout donc il te prend précaution pensant que Guenouagou l'autre cas même songer qu'à ça, que Patrice et, et pour tes correction à hein, pour nous. Merci, Pépé. Merci. Et puis, nous prier pour Frère Otto et pour le sortir sain et sauf. Et, côté lié, et puis, maman, colonel Imler Rebu, nous avons encore bonne fête à 97 ans. Et nous espérons que invité dans le siècle pour nous fêter ensemble, ensemble. Et puis, un petit mot spécial pour nous qui a passé la misère dans de longues files d'attente sénateurs pour réussir à le faire yonti gaz et puis Josué Méridien pas oublier une belle lettre d'adhésion en pile citoyenne en région à vous voyez pour qu'aucune chaîne ça, que nous écrit by Joe Biden pour nous dire nous avons droit à l'autodétermination pour ces pas en puissance étranger qui a ça pour nous C'était une très belle lettre et nous avons en pile étranger latino qui ont des notes d'adhésion à cette lettre. Et, et merci pour rappel là. C'est pour ça que nous sommes en téléphone dans parce que <laughs> Josué Mérilien n'a pas attendu que me rappeler la qu quantité et lettres d'adhésion a à des ça pour écrire. E Biden, alor par, parlant de pou prezident Biden, justeman, li pase ma et la pou an titan. Bay Kamala Harris, se premier fwa nan listwa des Etats-Unis, oui, li ganti operasyon, ti bagay, tou piti ke l toujou fe chak ane, me le lap fel wap sou anestezi, paske folk li fel sou anestezi, e lor sou anestezi, zavle di w bagay en kontrolan en, pandan ti mouman, lap sou anestezi an, Donc c'est comme ça la démocratie américaine n'a fonctionné, il est obligé passer ma là-bas à Kamala Harris parce que l'elle soit anesthésie, si le monde déclare la guerre, il pas pas fait rien parce soit anesthésie, donc faut les nous commande alors Kamala Harris prend les charges de l'Amérique peut-être pour une tête temps de temps je ne sais pas mais c'est première fois ça le fait que on femme Di, pral, pr, gen responsabilite sa e onwa an plus onwa an plus mersi chouman, mersi, mersi pou fidelite e avek espasa nou espere invite ou mem, jak senate sa ki va jam an weta, ki gen tan la mespere tout lot -ok, yo fè dilijans pou yo vin bonne pou ramase a demare Merci, merci avec euh, James C. Collection, c'est l'ic toujours à bien. Merci tout avec Potiwa Pizza, oui, Panaméricaine qui t'apprend pile baf à cause de problèmes gaz. Là, mais espérer que le récifs s'y font du gaz et que euh, Pizza a ka livré aujourd'hui. Hein? Merci, n'a propose la chômage et puis n'a tout à l'heure. Merci avec michel Timothée Jaffet, qui tape son travail extraordinaire dans Live Lato, qui pourra le continuer puisque panel ramassé pourra le tourner dans quelques instants. La pause, et à tout à l'heure.